plus pour faire le lien entre Brive et Lascaux, entre l'art pariétal d'hier et le street art d'aujourd'hui, c'est l'esprit de cette fresque monumentale, un projet culturel et touristique confié à deux artistes peintres lotois. Dans notre style artistique, on ne va pas reproduire des peintures de Lascaux ou des choses comme ça. On est plus sur le côté humain et les histoires qui existent autour de la grotte. Donc c'est un peu la ligne qu'on a choisie, mais parce que c'est notre ligne artistique depuis toujours. Sur cette photo, Léon Laval, l'instituteur des enfants qui ont découvert la grotte. Et ici, ses propres mots d'émerveillement. Une œuvre qui s'inscrit dans un projet encore plus vaste, 5 à 7 autres peintures géantes sur les murs de Brive. Une exposition pariétale contemporaine pour tenter d'attirer quelques-uns des 400 000 visiteurs de Lascaux 4. Nous, on n'a pas de prétention par rapport à Lascaux 4, on ne boxe pas dans la même catégorie, mais l'important c'est d'arriver à trouver du lien. Vous savez, le touriste, il est assez consommateur. Il passera une partie de sa journée autour de Lascaux 4, mais il aura aussi besoin de bouger. À 35-40 minutes, ça devient intéressant pour nous. Et pour justifier ce rapprochement, l'Office de tourisme s'appuie sur le patrimoine préhistorique de Brive, en grande partie perdu. La roche du Périgord à Lascaux, c'est du calcaire. Le calcaire a pu conserver les pigments de couleur, notamment. Et nous sommes sur une roche acide, le grès, qui malheureusement n'a pas pu conserver ses pigments de couleur. Mais le pays de Brive, c'est plus d'une centaine de grottes préhistoriques, comme notamment les fameuses grottes de la Mourou que nous connaissons. Prochaine fresque, cette semaine, rue de la République et place du Civoire. Les artistes sont toujours à la recherche d'un grand mur pour le clou de l'exposition. Avis aux propriétaires.